Mesdames et messieurs, très rapidement, d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, China Business Network de Chine. Une question sur la collaboration internationale. Je voudrais savoir comment la France va-t-elle équilibrer le rapport à la fois coopératif et compétitif avec les économies émergentes, la Chine et l'Inde, par exemple, et qu'en est-il au plan environnemental ? Merci. Bon, c'est un grand sujet de préoccupation. Comment expliquer la difficulté ? Négociation commerciale, négociation climatique, la difficulté vient du fait qu'on essaye de résoudre des problèmes du 21e siècle avec une organisation du siècle précédent. Dans l'Organisation mondiale du commerce, il est tout à fait normal d'abattre toutes nos barrières, nous les pays industriels, comme on disait, vis-à-vis d'un pays africain au niveau de pauvreté très grand. Mais est-ce qu'on doit faire la même chose pour des puissances économiques comme le Brésil ou la Chine, quelle que soit par ailleurs l'amitié que l'on a ? Voilà la question qui est posée et sur laquelle on travaille dur, notamment dans la perspective du G20 de Cannes, même si je suis confiant dans la capacité de nos amis chinois de comprendre cette situation, comme j'ai été très heureux de pouvoir ouvrir le séminaire monétaire à Nankin. 观众朋友们，刚才是多维尔八国峰会第一天会议的新闻发布会现场。各国代表将在周五继续讨论中东和北非的安全与和平问题。我们将会为您带来更多的报道。第一财经胡一汉，法国多尔报道。